message est un message de paix. Le message est un message d'amour. Le message est surtout que le Maroc est un pays incroyable. Le Maroc est receveur, il prend, il donne. Ils ont une équipe, ils ont une image, ils ont la bonté du cœur. Donc le message, c'est que les Africains doivent donner leur cœur au Maroc. Ils doivent montrer que le Maroc est une image du continent africain. Ils doivent dire certainement que nous, entre Africains, on doit absolument avoir cette sincérité de dire on peut travailler. Quand le Maroc s'est éduqué, quand le Maroc s'est produit, c'est l'Afrique qui a su le faire. Si aujourd'hui on fait de la mode, que toute la production peut le faire au Maroc. Si on fait aujourd'hui des créateurs africains qui sont là, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Zambie, on peut venir au Maroc pour produire nos créations, faire de Fashion Week. Donc je crois que j'y crois absolument. Je suis certain que ce message est un message d'amour entre nous, Africains, pour que l'Afrique soit un continent uni à jamais, aimé à jamais, grandi à jamais. Et le Maroc fait partie de ces pays qui amènent l'Afrique très haut. Vive l'Union africaine, vive l'amour entre Africains. Donc aujourd'hui, on a mis en place African Fashion Talents. C'est important de le faire au Maroc, étant moi-même marocaine et je ne me voyais pas le faire ailleurs qu'à Casablanca. On apporte un soutien pour ces jeunes talents, ces créateurs qui viennent d'Afrique, du Gabon, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Sénégal. Enfin, ils sont une quinzaine. On est nombreux à essayer de promouvoir nos créations, notre marque et raconter notre histoire à travers toutes nos créations. Et d'ailleurs, on est complètement en adéquation avec le message de Sa Majesté qui, je cite, « l'avenir pour la jeunesse africaine ». Donc il apporte un réel soutien. Et j'espère que voilà, ce show en tout cas va être à merveille, va être réussi. On est plein d'émotions juste avant le défilé.